Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, pas de vidéo, vide-grenier, bourse aux jouets ou autre chose dans le même genre puisque j'ai travaillé tout le week-end et en plus il y a plus du tout d'événements organisés autour de chez moi. Du coup, je vais vous présenter quand même quelques petits objets que j'ai trouvés via des collègues ou simplement sur des petits colis que j'ai reçus donc Vinted ou eBay. On va commencer par des petites choses assez sympathique puisqu'il s'agit d'un superbe Pokémon Gold comme vous pouvez voir. Donc il y a bien le petit numéro qui est gravé juste là, enfin du moins sur l'image, il y a le numéro 12 qui apparaît. C'est bien une version française, il est dans un état vraiment propre, ce petit Pokémon que j'ai eu pour la somme de 15 euros. Donc ça c'est cool. Et bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Forcément, il y a le argent qui est juste là également aussi, avec son petit numéro qui est bel et bien dans l'étiquette juste là comme on peut le voir. Celui-ci également pour 15 euros, donc 30 euros pour les deux, c'est un prix vraiment cool. Ensuite, un jeu que j'ai reçu d'un pote qui est en Belgique à l'heure actuelle et qui m'envoie des jeux assez régulièrement à des prix vraiment super cool. Encore un Pokémon, un version platine que j'avais pas sur DS. Là, je suis assez content parce que pour le coup, c'est pareil, celui-ci, il est bien complet. Voilà, le platine juste là. Et il y a tout, la notice, il y a même le petit code, comme vous pouvez voir juste là, si j'arrive à l'ouvrir, parce que d'une main c'est pas facile, voilà, le petit code qui est même pas gratté. Donc ça c'est vraiment cool. Celui-ci je l'ai payé 25 euros pour un Pokémon Platine, 25 euros, c'est un très bon prix aussi. Un autre jeu que malheureusement, justement encore une fois, mon ami m'a envoyé, je ne pensais pas l'avoir et finalement je l'ai. Donc c'est un Zelda Phantom Hourglass sur Nintendo DS qui est complet aussi. Bon, la jaquette elle est un petit peu abîmée devant, comme vous pouvez voir, il y a rien, c'est pas extraordinaire non plus, mais et puis derrière aussi d'ailleurs, je viens de m'en apercevoir, elle est un petit peu abîmée là-haut. Mais bon, il reste complet quand même, il y a bien sa notice, il y a les petites publicités derrière. Et le jeu est bel et bien présent. Celui-ci, donc, il me l'a envoyé. Celui-ci, je crois que je l'avais payé 20 euros. Donc, il va être à l'échange ou à la revente. Je ne sais pas encore si je le mettrai sur mon Vinted ou autre chose. Je ne sais pas encore. On verra. Si jamais il y a des gens que ça intéresse, au cas où, tenez-moi au courant. Il y a possibilité que je vous l'envoie sans souci. Et ensuite, pour finir, donc, un petit colis Vinted, ce coup-là. Donc, du Resident Evil 0 en choix du joueur. Sur GameCube, dans un état vraiment propre. Ça, je suis vraiment content parce que j'avais pas du tout de Resident Evil sur la GameCube. C'est mon premier, du coup, donc le premier d'une longue série, puisqu'il en existe 4, je crois, ou 5 sur cette plateforme. Et donc, celui-ci, pareil, il est complet. Il y a bel et bien les deux CD. Voilà, comme vous pouvez voir, tac, le CD1, le CD2. C'est vraiment dans un état nickel. La petite notice qui est là, elle est bien en français et tout. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Vraiment pas grand-chose. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, on arrive sur les fêtes de fin d'année. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour ce genre d'événement. Mais il y aura toujours des choses à venir. Je vais vous présenter bientôt dans la prochaine vidéo tous les jeux que je vais mettre à l'échange ou que je vais mettre à la revente. Je sais pas encore exactement. Il y en aura vraiment un bon paquet. Donc si jamais ça vous intéresse, suivez donc sur la chaîne la prochaine vidéo et comme ça on pourra rentrer en contact si jamais il y a des jeux qui puissent éventuellement vous intéresser. Et ben en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Continuez donc à geeker, à vous amuser et continuez à vous abonner aussi. Ça fait super plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Allez, à ciao, à bientôt les enfants.